Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Merci encore une fois de plus, Mesdames, Demoiselles et Messieurs, pour votre fidélité à notre émission. Je vous dois des excuses pour ces un temps un peu long que nous avions été un peu absents sur vos écrans, sur vos téléviseurs, sur vos téléphones. Nous avions été vraiment, vraiment empêchés et il ne nous fallait que prendre ces petits moments de réquil justement parce que nous avions autre chose qui était très, très important pour notre vie à faire. Donc, vous allez vraiment, vraiment m'excuser pour ça parce que l'actualité étant abondante, vous continuez à m'appeler, vous continuez à vouloir écouter ce que dont je parle sur notre pays, qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi est-ce que ces gens prennent de telles décisions, quel est mon point de vue sur la bonne marche de notre pays. Vous continuez à être nombreux à vous abonner sur notre chaîne malgré nos absences. En tout cas, je vous en remercie et je sais que tout ce que nous parlons ne vont pas dans le désert ou dans des oreilles bouchées, mais vous entendez et vous voudriez avoir un peu beaucoup plus d'éclaircissement sur le sujet que nous développons ici à Contact Pro Live Réflexion. Alors, aujourd'hui, nous sommes à vendredi. Pourquoi je suis venu le vendredi? Parce que c'est le moment où je prends un peu pour revenir encore sur notre marche. Comment expliciter ce que nous pensons qui peut être une solution à la République démocratique du Congo, à appliquer chez nous. Il y a beaucoup trop de brouhaha au Parlement aujourd'hui. Vous savez que la session qui est en cours au Parlement, c'est la session budgétaire, donc du mois de septembre. Bientôt encore là, ils vont fermer. Et pour quand ils fermeront, ils ne reviendront qu'au mois de mars. De quoi parle-t-il au Parlement? Bazo Lobanini, Bazo Sorolanini. Tous ces petites vidéos que nous voyons circuler dans les réseaux ne nous rassurent pas qu'ils sont en train de parler du réel problème de la République démocratique du Congo et des solutions. Nous avions suivi la première ministre. Ça, ce sont les sujets que nous allons développer dans cette émission. Nous avions été déçus par une première ministre qui n'assume pas ses responsabilités. Nous allons en parler dans cette émission. Tokolobela, déception nini otozanango lelo. Parce que nous nous écartons toujours de la solution. Et la solution que nous parlons, c'est quoi? La solution, c'est de connaître les Congolais. Tokoyeba, toko diriger mboka o nengeni toyebi angote. Bandekoza passi. Ça fait très mal. Que les gens continuent à tourner tout autour d'un pot. Et puis, on ne parle pas du réel problème du Congo. On s'en fout des grèves. Et la première ministre est en train de vous demander d'être des patriotes. Et les patriotes qui sont à l'Est sont délaissés comme ça. Baza Koku Fakuna. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, voilà les quelques sujets qui vont nous réunir aujourd'hui pour réfléchir. Et comme toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous reviendrons tout de suite après pour que tout solo là. A tout à l'heure. Voici le grand titre des journaux en ligne qui apparaît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Félix Tshisekedi reçoit la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Goma, reprise timide des activités au marché de Kitutu 2 semaines après le naufrage. Et enfin, Tshopo, au milieu des affrontements, voici le climat sécuritaire à Bafouassende. On va sur actualité.cd, conflit Mbole-Lengola. Plus de 700 élèves déplacés ont retrouvé le chemin de l'école à Kisangani. RDC, le projet de loi de finances 2025 prévoit la prise en charge de 513 députés nationaux. Les 13 élus supplémentaires à l'Assemblée nationale vont coûter 1,5 million de dollars par an au trésor public.
Judith Simunya, Rebranding Africa Forum, le Rwanda a accepté pas pour la première fois là, de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en RDC. Congo profond, Rebranding Africa Forum, Judith Simunya Tuluka présente à Bruxelles les opportunités d'investissement en RDC. Et puis le grand cri cirque des hydrocarbures, Aimé Sakombi Molendo, le maître de la comédie. Kasai, 14 océans Kuluna présentés au vice-gouverneur Djolei Bokele par la police. 7 sur 7, à Genève, Molendo Sakombi propose des mesures pour éviter le risque accru d'actifs échoués qui empêcheraient tout essor de la RDC. Sud Kivu, deux bateaux suspendus de navigation sur le lac Kivu. Et puis le gouvernement lance officiellement la campagne agricole 2024-2025. On termine par Radio Okapi. En RDC, il n'y a pas de pénurie de carburant, rassure les pétroliers et le ministre de l'économie. Accès facile aux antirétroviraux, un espoir pour les séropositifs de Beni, Butembo et Lubero. Goma, reprise timide des activités au marché de Kitutu deux semaines après le naufrage. Et puis CRDH encourage la CPI à ouvrir aussi des enquêtes sur les crimes commis en Ituri. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la discussion dans les salons politiques, les sujets qui prédominent aujourd'hui, c'est la modification de la Constitution, les gens discutent, l'UDPS, et toute cette cacophonie qui ne nous amène absolument à rien. Biloko nyonso eza koloba na réseau, en tout cas le peuple n'est pas là. Ce n'est que les conséquences d'un problème qui existe en République démocratique du Congo. Et bato bazak sensé, yako, yeba problème nini na koluka solution. Ils sont ailleurs. Ces gens-là sont qui? Bandeko, toye baka d'abord, le bato bayaka na modification ou bayaka na masolo ya mboka eza parlement. Vous voyez comment nos institutions fonctionnent. Quand les parlementaires quittent les vacances parlementaires, ils amènent des problèmes qu'ils ont trouvés dans le milieu naturel et ils en parlent pour former une loi. Basbi misaba loi pour na ko modifier vie sociétale et abatou au place baouti. C'est ça le rôle du parlement. Na zolo bango na bopete. Donc les parlementaires, quand ils vont dans leur circoncision, ils récoltent d'abord et au makamwe salemaka. Qu'est-ce qu'ils ont parlé dans leur dernière session? Ont-ils été appliqués? Est-ce que changement est allé? Ils reviennent au Parlement après 3 mois avec des propositions et d'une réévaluation sur terrain. Bangonde baza censé akoyeba problème ni nyangozali pour que ba pesa mibeko oyo gouvernement et coexécuté. Alors le gouvernement exécute les lois, ils exécutent, ils managent bayabaka. Basala bangonde mtu balambela kabiso biloko parce que biso ba parlementaire basi ba ke wenze basi basali boy balobi bon voici ce qu'il faut résoudre. Ngana zolo bango awa na bopete pour que vous puissiez un peu comprendre là où je vais aller. Alors notre république est en débandade aujourd'hui. On ne sait pas qui dirige quoi, qui fait quoi. Des parlementaires sont là, ils crient et moi je pense que Kamere se plaint maintenant parce qu'il n'est plus exécutant. Il est passé de l'autre côté où il va crier parce que lui-même n'avait pas de solution. Quand il était exécutant, quand il était au gouvernement, il n'y avait absolument rien à faire. Et donc, je pense qu'il est parti se caser là-bas justement pour commencer un peu à crier. Parce que l'exécution, ce n'est plus lui.
Boko banda koloba boko swana na ba Godin Poi. Par exemple, nous reviendrons avec ce qu'il a parlé avec Godin Poi dans sa casquette de président du Parlement. Donc moi je me suis dit Elo koni nango bazo solo la kuna na Parlement. Qu'est-ce qu'il parle? De quoi parle-t-il? À l'est il y a la guerre qui ne termine pas, qui semble stagner. Je crois dans la troisième partie à l'émission, autant que tu aussi dis ça, tu as aussi la Likambwa sécurité. Mais parlons-en d'abord de ces institutions-là qui ne fonctionnent toujours pas. En tout cas, nous sommes dans une cacophonie. Tu as aussi débattu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est le gouvernement, Kinshasa tantôt, embouteillage, tout ça, Premier ministre à Lobibo et tout ça? On ne sait pas exactement quel est le programme qui est en train d'être réalisé. Parce que la première ministre a nié que non, Makambo Azosa, Ezaki Yayete. Il ne s'assume pas, il renvoie la faute, ce qui se passe pour la grogne à enseignant. Et au Parlement, on dit, bon, Moutoumoko Alobaki, qu'il faut pas foutre à enseignant, sinon au mois de décembre. Donc, notre pays devient de plus en plus un champ de bataille où on ne sait pas qui gagne, qui perd. Tozoye Bate Makamuni Nangozo Salema. Le peuple va maintenant, nous sommes au virage de la, comment dirais-je, de la Nasuka Yane Oyo. Et puis nous aurons encore une année de moins dans le mandat de Félix Tshisekedi. Donc dans les 5 ans, nous avons déjà mangé une année. Et qui cite cette année-là, Ezakope Sabiso à ta perspective, Mokwa Malamouté. Bon, d'autres personnes me disent que non, Germain peut-être tu es aux pessimistes, aux monatés. Non. Tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, Tokoma Kanaba, deux pôles. Où tu es, où tu ne l'es pas. Où tu veux être dans le. Tu es dans ceux qui mangent et que tu vois les choses d'une bonne aide, au Bibo, Tozo, Kende bien. Ou soit tu es dans le camp de ceux qui ne mangent pas et tu deviens aussi. Batumsu Bazako traité, Biso Balobi, Toza, va jaloux. Je ne sais pas combien, quand bien même le pourcentage de ceux qui crient, et batu baza ebele, que baza koloba passe le ki, na batu oya mouke, oya baza na pouvoir, oya baza kolia. On nous parle, on nous dit que non, batu toza ba jaloux. Je reçois des injures de la part de ceux qui supportent le pouvoir en disant que non, nga na zamu tua Fayulu, nga na zamu tua Katumbi, na za Egri, na zolu Kambongo, tout ça, na za na l'autre côté. Moi, ce n'est pas ça qui m'anime pour venir réveiller la conscience du peuple congolais. Non, c'est ça Mbongote. Moi, je ne travaille pas pour qui que ce soit. Je travaille pour ce peuple congolais-là. Tozolo Belande, peuple wana. Nous réfléchissons pour que nous puissions avoir un Congo nouveau, un Congo meilleur. Ça, nous devons en tout cas nous mettre d'accord sur ce point-là. Alors, il y a une certaine cacophonie que on ne sait pas. Est-ce que le gouvernement travaille? Est-ce que le gouvernement est au salaté? Est-ce que c'est la faute au président de la République? Pourquoi la guerre ne termine pas? Tantôt, ce n'est pas que non, il faut topper sa bombe. Nous, dans la guerre à l'Est, tout ça, tantôt, ce sont les détournements. Tout cette cacophonie-là continue à animer la première année de Félix, de ce mandat de Félix Tshisekedi. Et tous ceux qui ont été sous le mandat, okomona kaka batu tozo pousa kaka on dirait mutuka e bapinesi kufa mais tozo tindika mutuka ngo kaka tokende tobongisa bandeko. Il faut que nous puissions commencer à penser au vrai problème du peuple congolais na kotoko takle ngo wapi. Et les gens qui sont censés à réfléchir, c'est le Parlement de Moutifo Baba n'a qu'à réfléchir à Koloba. Bilo Konyoso, nos sources n'angoez ali wapi. Nous avions dit depuis longtemps, Bande Konangaye, la cohésion nationale, l'unité nationale, ezalite nambo kanabiso. Le consensus national, batu boboyo kani, ezalite. Le consensus national, comment est-ce que moi je conçois ce consensus national? C'est que nous puissions être tous d'accord et nous connaître.
toyeba toza ou touti wapi bandeko comme dit notre oh, emblème nabiso toyemba kana hymne national nabiso nous sommes unis par le destin mais to unité on a tozo lukango nenge nini bato bazo kamba biso est-ce que baza bayebi biso est-ce que nos institutions fonctionnent normalement? La source, c'est où, Bande Konangai? Est-ce que notre président de la République, Oto Pesa Bokonzi, la constitution, Bokonzi, Nyos Oto Pesa, est-ce qu'il y a vraiment problème, Nabiso, là, comment tu peux résoudre le problème, Nabiso? C'est ça le problème que nous devons nous poser. Et ma question, Anna Nyoso, Batwebele, Bazakoye, Baté, réponse, Nangweko, Utawapi. Qui peut répondre? Est-ce que c'est le Belge? Est-ce que c'est l'Amérique? Est-ce que c'est Zababa Occidentaux ne mtuba kosali sabiso? Nous avons un problème fondamental à résoudre en République démocratique du Congo. C'est le management, la gestion de notre pays. Quand tu te dis que la gestion y a pays, on a ezako englobé biloko ebele ebele. Mais vous ne pouvez pas gérer. Et loko aliboso kan otolobelaka awa. La première des choses que nous pensons qui nous manque, c'est de quadriller d'abord notre pays. Nous ne connaissons pas notre pays. Nous ne connaissons pas ce peuple congolais-là que nous voulons diriger. Et je continuerai à répéter ça jusqu'à ce que tous les moutons deviennent des lions. Et bien comprendre que non, nous devons être féroces pour que tout, nous puissions résoudre le problème fondamental qui assurera notre grandeur. Lorsque nous arriverons à résoudre le problème fondamental qui nous divise tous, et que nous retrouvons cette unité, et que nous retrouvons comment est-ce que nous allons commencer à nous unir et à apprendre à marcher ensemble, c'est dès lors que notre Congo sera un Congo grand. Mais tant que nous continuons à nous embrouiller avec le peu d'argent que nous avons, depuis 60, on n'a pas songé à construire, à être indépendant. Nous n'avons pas consolidé notre indépendance. Consolider notre indépendance, c'est-à-dire que nous connaître notre sous-sol, connaître notre sol, connaître comment nous gérons tout ça. Comment nous gérons, nous les Congolais? C'est ce que nous avons floppé là-bas. Et là, on a dit tout ça, on a dit ça. Bande Konangai, il faut que nous puissions être des grands. Mais pour y arriver, ce n'est pas dans le sens dans lequel nous sommes en train de partir. Où nous ne connaissons pas. Toyebiba Congolais, il y a des problèmes Non, oh, yoza Congolais, oh, yoza Camerounais, oh, yoza Sénégalais, tout ça. Ça, ce sont des discussions dans d'autres pays comme dans lesquels nous sommes ici, ont été balayées et ont été résolues. Biso tozoa nan une solution. Et c'est ça le grand problème de notre pays. Nous ne pouvons pas aller commencer à parler de la constitution sans que nous puissions nous connaître, sans que nous puissions avoir un truc qui nous lie tous. Qu'est-ce qui nous lie? Notre pays nous lie. Mais biso toye banite, batounyo sotou. Toye banite, moutounyo sotou. Moutounsou soukoutounayo ki awa balobio abandi rébellion, soki sokoko, soki nani. Et les vérités éclatent que non, ce n'est pas un Congolais, c'est un Angolais. Bon, bien sûr que les gens qui sont amis, société, disons, population, tout au bord des frontières, il y a leurs cousins de l'autre côté, il y a d'autres cousins de l'autre côté. Mais regardez tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Tous ces beaux pays-là, ont déjà tranché sur l'identification de leur peuple. Bandeko, ba Congolais bazana problème na Tanzanie. Vous ne pouvez pas avoir la carte d'identité tanzanienne comme ça, ni au Rwanda, ni au Burundi. Na Uganda kutu kolobate, même si à 100% ce n'est pas comme ça. Mais ces gens-là se sont organisés pour se connaître d'abord. Bamiyeba, mais au Congo. Tozo yebate tantôt, na insécurité auto, comme c'est la Rwanda,
Rwanda zotinda ba militaire na ekote oyo, nous avons nous-mêmes la confusion de savoir qui est rwandais, qui n'est pas, qui est congolais. Pourquoi? Parce que l'État a failli de ce côté-là. Et c'est par là que moi je condamne le Parlement. Bandeko. Laissez-moi vous dire une chose, le développement de tout un pays, de tout pays, dépend de la quantité de personnes, du contrôle de cet État-là sur la population et sur ce que fait sa population. Banani ango bazo sala nini, bazo sala wapi, baza banani. Il y a une vidéo qui circule sur le net là, on dirait, batu baza ko kende ko somba, baza ko disons ko kende ko luka. Visa à Congo. Beaucoup d'étrangers, Bangladesh, Chinois, tout le monde veut aller au Congo. Combien de ces expatriés là, balongwa kana Congo, bazonga kepana bango. Avons-nous le contrôle sur les étrangers dans notre pays? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas le contrôle sur notre population. C'est ça la matière que moi je me dis. Que ba parlementaire il fallait ba se pencher nango d'abord ceux qui sont là totinda ba toyo ba solo la kate na parlement totinda ba excusez-moi le terme des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont entre ce qui doivent faire au parlement totinda bango kuna et nous continuons à penser que na modèle wana mboka na biso eko changement koya. Vous n'avez pas la solution pour le médecin, vous n'avez pas la solution pour votre population. Comment un premier ministre peut se prévaloir en disant que non, ces gens-là doivent être de patriotisme. Patriotisme, nous étions très déçus en
totali maman on a tout le but bon ok et la grande continue à monter bandeko t'as eu ça la 3 ans na katia babiloko kaka et là l'année prochaine parce que totika la na 3 ans devant le président de la République t'as eu bandeau yo kasiko les sous oh seni oh t'as commis ko lukabato non oh il faut faire ceci seni est commis. Nous allons encore aller dans l'ambiance de ces élections-là, pendant que nous n'avons pas encore résolu le problème fondamental de la carte d'identité. Je ne sais pas. Ce qui est Zali Nini Bande Konangai, qu'est-ce qui manque pour que nous puissions avoir un recensement scientifique? Ce qui manque, excusez-moi de vous le dire, c'est que Tozo Sala et Lamoutouté, les Congolais ne veulent pas réfléchir sur leur propre pays. Et moi, c'est le plan que moi j'amène ici. La discussion, que c'est ce que moi j'amène sur la table. Discussion à Ouezanini. Quelle est la solution que moi j'amène ici pour résoudre les problèmes fondamentaux? Président de la République, et c'est ça le message que je voudrais adresser au président de la République, qui a le pouvoir maintenant, à moins que Nanga aille à déstabiliser. Parce que ce qui est le but, c'est que nous avons une discussion, un changement, la constitution et tout ça. Ça va nous ramener toujours sur le même problème, il y a identification. Il faut que le peuple parle. Il faut que le peuple puisse se mettre d'accord. Bolobelaka awa makambo négociation na Fayulu ou tout ça ma négociation en exalité. Vous n'avez pas la solution et la solution que nous vous proposons monsieur le président, c'est la convocation des états de lieu de chaque territoire où tous les peuples congolais devraient se parler. Le consensus national ne s'obtiendra pas avec un groupe de gens, avec 2, 3 ou 4 politiciens autour de toi, vous n'aurez pas résolu le problème de ce consensus. Par contre, vous devriez peut-être appeler ces gens-là à leur expliquer que non, nous devons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base, au niveau du peuple, en l'organisant pour qu'ils puissent organiser des dialogues dans leur territoire afin de dégager deux choses. Discuter sur un nouveau Congo en proposant une nouvelle constitution et les deux, faire un recensement identification de la population. Et les décharges devraient être données au peuple congolais eux-mêmes. Qu'ils puissent aller s'organiser dans les territoires afin que tous aient un consensus national. Batouba yokana na katia ba province. Et que ça le mandengen, il faut qu'on pèse à bango pouvoir wana. Toti kana nou makamba ba ventire, o ba outi poto, o nga ina kenda poto, o nga na salaboye, ngande na sali, ngande mutumunene na salaka na Banque Mondiale. Non, le peuple congolais, besoin à bango lelo ezali, qu'il puisse se regarder en face et qu'il puisse se parler. Et pour trouver un consensus national et à Kolobakeno, bande kotoyo kani makambwa kimoibi na kati na biswawa ezalali susute. Voilà comment est-ce que nous voulons que l'institution ainsi que pourrait fonctionner. Et pour cela, ça demande une préparation. Ça, il y a comment côté que to la mukibo et to sali en côté. L'isolo oyoyo président de la République, il fallait obenga ba leader d'opinion et tout ça, c'est de faire passer ce message-là en disant prochainement, par exemple en 2025, je considérerai cette année-là une année de la préparation de la 4e République. Tomi Pesa, tant pour te préparer 4e République, wana. Et quoi, malamoko te to banda okende ko sala autre constitution, nous serons cosmétiques. Nous devons préparer, nous devons même, donc tout préparer, là, qu'on a passage, Johanna, pour réfléchir, comment est-ce que comment est-ce que nous allons fonctionner? Nous devons penser ça. Bande koko kende na ko sala fuse ou bien ko tonga ko fabriquer mutuka ezala akaka te ko bandi. Non, les gens se mettent sur une table. Ils réfléchissent. Oh, qu'on fonctionne ndengenin. Oh, qu'on sale mabo ndengenin. Comment est-ce que nous ferons? Comme ça, lorsque nous exécuterons, nous aurons déjà pensé comment le faire. C'est ça qui nous manque en République démocratique du Congo, Bande Konangai. Et c'est pour cela que nous disons que
Et le Kobiso Tobande Kosenga na président de la République. Achana nunase. Abenga batu moko moko toloba. Tokoko continuer konyoko la Congolais boete. Congolais azali aza mungamba na biso te. Topé sa Congolais pouvoir aloba. Comme ça, les Congolais vont se mettre ensemble en disant bon, ok, qui est Congolais, qui ne l'est pas. Voici la procédure de l'obtention d'une carte d'identité en province. Toko yeba mnandenge nini. Toko se recense ndenge nini. Recensement, on a eko sale makoma. Les gens réfléchissent et même maintenant, tout ça sur papier en disant bon, à partir de 2026, voici ce que nous allons commencer. Nous allons commencer par un recensement identification de la population pour que vers le mois de juin, à 6 mois après, que les Congolais puissent avoir d'abord un consensus na aspiration kambama. Si nous aurons les élections en 2028 et que ce sera des bonnes élections, on a toko koma na eba élection moka malamu o toko yeba que non Congolais nyos en tout cas akotia vérité ko salema. Tout le monde aura parlé et nous aurons une nouvelle constitution. La constitution oyeko kambama na batu oyo biso moko toponi. Voilà mes chers amis, ce que moi je pense que qui devrait être discuté maintenant là na parlement. Au lieu qu'on kenda ko discuta ka oh non mbongo boye tout ça, mais salaire na biso za wapi tout ça. Tout le monde est ailleurs que là où nous les attendions ces parlementaires là. Ba parlementaire wana bazo sala musala nini toyebi te bande konangai. Voilà. En tout cas, lelo na kosuka na wana, je ne serai pas vraiment très très long, mais le sujet est continuel. Je crois que dimanche, si Dieu le veut, tokoya li susu na suite à émission oyo batu nini foko pona toko pona bango wapi tokoyeba na ndenge nini na kati ya ba territoire pour que to vanda na kati ya ba territoire où nous allons discuter sur nos problèmes, où nous allons discuter de l'avenir de notre territoire et comment est-ce que toko zoa toko signer pacte ya agreement ou bien ya toko loba que nous appartenons biso batu o voici les valeurs que nous voulons à ce que tozala nango na national. Chaque territoire t'a signé pacte on a et appartenance et que cet acte-là ne sera pas violé par qui que ce soit. Babilo ko na nyoso na ko expliquer kango malembe. Je crois que la suite to ko zwango dimanche bosambela mingi pona ngai nzambe ko a pambola biso to ko ma dimanche wana poto continuer si je o malembe pona ko la kisabino ce que nous pensons vraiment comment est-ce que nous allons préparer la 4e République. Parce que c'est ça que nous pensons que la préparation va exactement résoudre les problèmes fondamentaux. Au bisomoko toko résoudre yango. Voilà. Donc, portez-vous bien. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Donc, merci encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, s'il vous plaît. Au revoir.